less than being playing the role of griot in traditional African societies, where they know the history, they chronicle the social history of the people, and they from time to time confront power, you know, with the reality of their excesses. And I think that this is the path of, this is where we should be going, rather than playing the role of jesters as many of us have done in many of our countries. Thank you. The mandat n'est pas vraiment le problème réel que nous avons à avoir. Et on le voit même dans les organisateurs, parce que nous avons deux sessions sur ce problème-là, puisque la prochaine session est sur ce point-là. Alors que le véritable problème est l'organisation du pouvoir. Comment qu'il se trouve aujourd'hui, nous avons un président avec tous les pouvoirs. Il n'y a pas de balle de check contre ce pouvoir. Il décide de tout, il continue et il s'organise à rester. Donc la question est de se poser quel est le système de pouvoir que nous devons avoir en Afrique. Nous avons, par exemple, en Allemagne, le système du Chancellor, en Angleterre. On a Michael Thatcher qui est resté plusieurs mandats, Tony Blair, nous avons Merkel actuellement, et eux, ils exercent le pouvoir réel. Le pouvoir réel est avec le Premier ministre ou le Chancellor, pas avec le Président. Donc il nous faut essayer de réfléchir sur ce système. Donc après, l'idée qu'il y a, il y a justement le Premier ministre qui assure l'exécutif. Le Président et le Premier ministre n'ont pas de limite de mandat, donc il est élu et qu'il continue. Mais il y a un contre-pouvoir au niveau du Parlement, où certaines lois ne peuvent passer qu'avec les deux tiers, et qu'on oblige donc à une concertation entre tous les grandes majorités des gens pour pouvoir... qui limite le pouvoir du Premier ministre. On a le Président qui a un rôle essentiellement d'arbitre. S'il n'y a pas de conflit, le Président capverdien ne fait rien, parce qu'il n'est pas exécutif. Mais il a un rôle d'arbitre en cas de problème entre l'exécutif et le parlementaire, le législatif, il réagit et il est l'arbitre Et il y a le pouvoir judiciaire qui doit être indépendant. Et c'est cette indépendance du pouvoir judiciaire qui permet aussi de régler un certain nombre de conflits. Mais il y a la question de respecter les institutions. On a eu au Cap-Vert un président qui a été élu avec 12 voix de différence. Quand la Cour suprême a décidé que c'était ça, tout le monde a accepté, on a continué. Donc parce qu'il y a la crédibilité du pouvoir judiciaire aussi. Donc je pense que nous, Africains, on devrait réfléchir sur le système, et non pas perdre notre temps à discuter sur le nombre de mandats ou pas. C'est en tout cas. Pour compromettre la bonne gouvernance et aussi saper la crédibilité de la démocratie et de ses acteurs en Afrique. Pour cela, nous continuerons d'aborder cette question très pertinente cette fois avec l'explication de les conférenciers invités. Avec moi ici, Madame Célestine Zanou, ancienne candidate aux élections présidentielles et l'ancienne chef du cabinet présidentiel, présidente Mathieu Kérébo de Bénin. Je vais aussi avec moi pour parler sur ce thème, les messieurs, les professeurs Bolad et Inla, l'université du Rayon au Nigeria et aussi chef technical advisor independent national electoral commission from Nigeria. Le monsieur Maître Barthélemy Kéré, président de la CNI, Maria González du Cap-Vert. Avec plaisir. Je remercie à tous vous de votre attention. La présentation sera de 2 minutes chacun et après les débats, les conférencistes pour faire leurs recommandations. Nous avons toujours avec nous le docteur Soli Hadji, Université Abu Momoni,
le Niger, qui conduira aussi les débats et les présenter une brève conclusion sur les différentes représentations. Madame Prendi, la parole pour un magazine. Je disais sur l'Afrique que la démocratie est une culture et que l'alternance est son expression. Or, nous savons tous que l'alternance est le dilemme des dirigeants africains. Alternance pour alternance, est-ce que c'est ce qu'il nous faut en Afrique? Je crois que là, nous sommes au cœur du sujet. Comme a eu à le dire notre modérateur, le sujet avait plusieurs compréhensions et il fallait prendre le côté qui cadre le mieux. Et donc c'est l'analyse du sujet qui m'a amené, après avoir passé en revue les différentes définitions, à parler de ce que j'ai appelé les limites d'abord. Parce qu'on a dit limitation des mandats. Mais avant que les mandats ne soient limités, en ce qui concerne les dirigeants politiques, il faut reconnaître qu'il y a des limites qui expliquent la non-application de la limitation des mandats. Donc j'insisterai ici sur les mandats. Le sujet porte aussi sur tout détenteur de mandat électif, pas seulement le président de la République, il y a les députés, et les leaders politiques, il y a les partis politiques, les chefs de parti, qui sont aussi concernés par ces mandats. Il y a les maires, il y a les élus locaux. Donc ce serait bien qu'on prenne en compte tout ce monde-là pour être sûr d'avoir touché du doigt ce qui est soumis à notre réflexion. Donc je parlerai donc des limitations, mais aussi des limites. Je dis donc que nous sommes en présence d'un thème, un sous-thème qui porte prioritairement sur les leaders politiques et les détenteurs de mandats électifs, appréciés au double plan, les limites liées à leurs vœux d'exercice du pouvoir et puis les limitations qui doivent être les leurs. Trois pistes de réflexion. Dans une première partie, j'ai parlé des tendances primaires ou les limites vis-à-vis du cadre psychologique, les limites secondaires sur le plan politique et de gestion, et enfin des mécanismes convergents. Je demande que me soit accordée ici des notions peu coutumières, mais qui me paraissent mieux rendre compte des situations que nous aurons à décrire. Qu'en est-il des limites? Il faut avouer que les leaders politiques sont limités sur le plan des capacités. Nous devons le reconnaître. Seule cette audace peut permettre de comprendre pourquoi, ayant accédé au pouvoir, ils sont parfois immédiatement confrontés à l'exercice du pouvoir. Il y a des problèmes de capacité. Donc, on ne doit pas être chef ou leader qui veut, mais qui vraiment a la capacité de diriger. Donc c'est la non prise en compte des limites de ce genre-là qui crée les tendances primaires qui affectent aujourd'hui les comportements du leader politique africain. Je peux citer quelques exemples de limites. Dès qu'ils sont installés au pouvoir, nos dirigeants s'empêtrent dans des faits de corruption, de népotisme, de mauvaise gestion et de confusion des rôles parce qu'ils s'immiscent dans l'exercice de la justice, du Parlement, toutes choses qu'on ne voit pas dans la démocratie qui se respecte. Je peux donner à cet égard un exemple récent du ministre, du premier ministre islandais qui a démissionné au lendemain de l'affaire Panama Papers. Les dirigeants africains ont été bien cités, mais ils n'ont tiré aucune conséquence de cette dénonciation. Dans nos pays, il n'est pas rare de voir un président de la République assister à un meeting et qui fait en direct des promesses. Je vous promets 2 milliards, il le dit devant son ministre des Finances, et il demande même qu'on vienne lundi chercher l'argent. C'est ce que j'ai appelé l'abus de gestion des deniers publics. Voilà ce qu'on note dans l'exercice de mandat pour nos présidents de la République. Un abus
qui est peut-être à des faits électoralistes ou tout simplement des faits personnels. Nulle part dans les démocraties qui se respectent, on a des faits de ce genre. Nous avons aussi vu des chefs d'État assister à une réunion où d'un coup le courant est coupé, il y a l'obscurité. Ils demandent tout de suite de relever de ses fonctions le directeur général de la société qui est en charge de l'énergie électrique. J'appelle cela de l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir fait partie de ce que nous constatons chez nos dirigeants et sur lesquels nous nous taisons. Un silence coupable. Nous avons aussi des chefs d'État qui, voyant émerger des candidatures concurrentes, se lancent dans des poursuites qui, même si elles sont fondées, créent une situation de victimisation de l'individu. Victimisation qui peut amener la population à porter son choix sur cette personne sans tenir compte même de sa capacité à diriger le pays. On peut multiplier les exemples. Mais pour en arriver là, il faut avouer qu'il y a un vide certain au niveau des dirigeants qui accèdent au pouvoir. Pour faire court, je dirais que les tendances primaires sont de plusieurs ordres. Il y a des limites idéologiques chez nos dirigeants. Et l'exemple que je donne ici, c'est que la plupart de nos dirigeants n'ont pas de tradition de projet de société. Ils peuvent recruter des experts pour leur écrire quelque chose, mais ils n'ont pas de tradition de projet de société. Et parfois, ils ne rentrent même pas dans ce qu'on leur dit. Il y a des limites d'ordre intellectuel. Je voudrais affirmer ici qu'il manque un bon nombre de nos leaders, surtout lorsqu'ils acceptent au pouvoir. Comme quelque chose qui relève de ce que j'ai appelé une brouille avec les vertus de l'instruction et de la formation. Toute chose qu'on acquiert, c'est vrai à un certain âge, est dans des centres spécialement dédiés à cette fin. On ne se lève pas du jour au lendemain pour prétendre diriger une population. Or, de plus en plus en Afrique, c'est ce que nous observons. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de collectionner des diplômes, parce qu'on a vu des diplômés qui n'ont pas eu. Mais il y a un minimum utile de savoir et de compétences dont le dirigeant a besoin pour ambitionner diriger l'État. Je ne dis pas que nos dirigeants n'ont pas de niveau intellectuel, puisqu'il faut faire la différence entre instruction et niveau intellectuel. Mais il y a quand même un problème. Et c'est peut-être le moment d'indiquer que l'expérience doit être ce sur quoi nous devons le plus miser pour faire élire des hommes à la tête de nos pays, ou à la tête de nos institutions, ou même en tant que simple. Il y a aussi ce que j'ai appelé les limites d'ordre socio-culturel, c'est-à-dire au plan de la connaissance des hommes et de la gestion des ressources humaines, de l'immersion culturelle et de la maîtrise des pratiques endogènes. On ne peut pas prétendre diriger un peuple qu'on ne connaît pas. Or, de plus en plus, nous avons des dirigeants qui ne connaissent pas les peuples qu'ils veulent diriger. Et ça, ça pose problème. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on descend au niveau des maires et des élus locaux, il y a des intellectuels qui sont devenus maires sans connaître la population. Si bien qu'ils sont comme des étrangers chez eux, dans leur propre pays. En somme donc, ces tendances dont je parle sont dues aux limites psychologiques du leader politique et c'est ce qui entrave le développement politique de nos pays, dès lors que ces limites empêchent les dirigeants et les élus de répondre aux termes de référence que requiert les pouvoirs, donc le contenu du mandat. Ils n'arrivent pas à répondre parce qu'ils sont limités de façon adversaire. De répondre aux termes de référence que requiert les pouvoirs, donc le contenu du mandat. Ils n'arrivent pas à répondre parce qu'ils sont limités de façon adversaire. J'aborde donc la deuxième partie de mon exposé, qui porte sur les tendances secondaires et les limitations de cadre institutionnel. Deux grandes tendances, celles qui sont liées à la Constitution et celles qui sont liées à la gestion même. Donc le contenu. Les tendances objectives, je les ai appelées, celles qui sont liées, celles qui sont d'ordre institutionnel ou les limitations politiques. Ces limitations, ce sont celles qui sont garanties par la Constitution, généralement consacrées par la notion de séparation des pouvoirs et celle de limitation des mandats. Il est dit dans l'adage que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres.
mais dans l'autre sens, l'autre aussi s'arrête là où commence le problème. C'est le principe de séparation des pouvoirs. Or, dans nos États aujourd'hui, personne ne respecte cela. Dès que le président est élu, on demande qu'il ait une majorité à l'Assemblée. Et quand on lui donne cette majorité, on oublie qu'avec cette majorité, il peut désigner le président de la Cour constitutionnelle, à qui il peut donner des ordres, et tous les autres présidents d'institution. Et voilà le paradoxe dans lequel l'Afrique s'enferme avec son modèle démocratique. Et quelques temps après, on commence à se plaindre de ce que ces présidents d'institution sont aux ordres. Ils ne pouvaient pas en être autrement. L'harmonie du chef de l'exécutif, je viens d'en parler, aidait cela par un juridisme intéressé opportuniste. Parce que pour enfreindre à la limitation des mandats, ce sont encore les juristes qui sont appelés et qui trouvent dans nos constitutions les arguments nécessaires pour démontrer que le président doit rester en place. La RDC est là pour nous convaincre. Et d'autres cas encore, d'autres cas de pays. Donc, ça enlève le droit qui était censé encadrer le bon sens, devient le bourreau du bon sens en Afrique. Et donc, c'est ça qui fait que les gens font 20 ans, 30 ans, et ils trouvent toujours dans nos constitutions les arguments pour rester. Les limitations d'ordre fonctionnel, limitations administratives, ce sont celles liées à chaque entité administrative, parce qu'on n'en a pas parlé. Quand vous avez un secrétaire général, une secrétaire d'autres, des directions techniques, un cabinet, des agences sous tutelle, chacun a un rôle, chacun a une mission. Donc, il ne faut pas empiéter sur les prérogatives des autres. Or, dans nos administrations, c'est ce à quoi on assiste le plus. Comment expliquer cela? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des limitations. Sur le plan psychologique, il y a un problème. Mais le contact avec l'Occident a été pour beaucoup, avec la colonisation qui a perverti le rapport de l'Africain au monde et à lui-même. Nous sommes toujours des chefs aux ordres, parce qu'on sait que si on ne fait pas ce que l'Occident demande, ils peuvent nous déstabiliser. Et donc ça a perverti un peu le comportement de l'Africain. Deuxièmement, ce sont les traditions et les faits sociaux à l'Afrique. Nous avons une conception féodale du pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais insister ici sur le fait que l'Africain vit le départ du pouvoir comme une déchéance personnelle, ce qui ne devrait pas être le cas. Quand on quitte le pouvoir, on est en mission et à la fin de la mission, on peut s'arrêter. Cette conception n'est pas encore ancrée en nous, si bien que le chef entouré de sa cour vit le départ du pouvoir comme une déchéance. Et pour ne pas vivre cette déchéance, on s'approche au pouvoir. Et les inconvénients sont énormes. Je ne vais pas les citer tous ici parce que le temps manque. Je ne sais pas si c'est les francophones qui ont cette sanction. Je ne sais pas si ce sont les francophones qui ont cette sanction. Recommandations. Trois piliers ont guidé mes recommandations. Le premier pilier, consommer africain, penser africain, agir en fait. Premier pilier, c'est une clé pour sortir des errements politiques qui entravent notre développement. Penser africain, consommer africain et agir africain. Deuxième pilier, c'est ne pas miser sur des hommes programmés à décevoir. Comment ne pas miser sur des hommes programmés à décevoir? Et troisième pilier, c'est la capacité des peuples à apprécier à temps les hommes appelés à les diriger. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des pays où on peut vous faire partie du pouvoir, on a vu le Brésil, mais il y a d'autres choses ailleurs au Venezuela où ça se profile. Donc les tendances que nous observons sur la scène politique, sur la politique africaine, les nouveaux défis méritent qu'on s'y pense, qu'on s'y penche. Et là, l'Union africaine a un travail à faire. Il nous faut une culture de la démocratie tournée sur nous-mêmes, sans traîtrise ni culture. Donc sans cette inculturation de la démocratie, aucun développement n'est possible. J'ai dit que si les produits pharmaceutiques par excellence, fruits de la science dure, sont adaptés aux patients et selon les climats, pourquoi invoquer la démocratie comme un talisman qui marchera à tous les coups? L'Afrique a besoin de son modèle démocratique. L'Afrique a besoin de ce modèle et je voudrais que le plaidoyer, je fais ce plaidoyer et je voudrais que ce soit entendu
par l'Union africaine pour que la démocratie vraiment devienne quelque chose d'adapté à nos réalités socio-culturelles pour que le développement soit enclenché. Je vous remercie. Merci aussi, Madame Célestine, pour la représentation et surtout pour la bonne gestion. Madame et Messieurs, je vous demande pour être raisonnable avec mon français parce que je ne suis pas francophone, je suis c'est pour dire qu'après deux dizaines d'années d'un procès de consolidation de la démocratie avec la création constitutionnelle de l'alternance politique à travers de la limitation des mandats en Afrique, nous regardons aujourd'hui une tendance contraire à l'existence de limites constitutionnelles au mandat des chefs d'État. Tendance, nouvelle tendance fortement opposée et que souvent conduit à des épisodes de violence préélectorale en Afrique. Situation qui affaiblit l'État. Ils compromettent la bonne gouvernance et s'appellent la crédibilité de la démocratie de l'Afrique et ses acteurs. Quand je pense dans cette question, je me pose la question. S'il vous plaît, vous les deux, s'il vous plaît. Nous allons faire ça avec Madame. Thank you, Madame Chair. Workshop like this is that most people are asleep. They really don't care what you say. They don't remember what you say after. I will try to ramble a little. I do remember a song in the Songs of Praise when we were in the primary school. It says, all things are bright and beautiful. The Lord God created them all. But as I grew up, I then added an addendum. All things are nice and beautiful. They're still where we are. And I will just cite two or three examples to buttress what I'm saying. We all remember the good frontier with which Nepal and APRM was launched. Where are they today? We remember the ongoing debate about African ownership, the Turner Forum. I think it's on the start of 40 years now. It has become something different from its original conception, irrespective of what some people may argue. We are hearing talk of African-centered solutions to African problems. I don't know where that takes us. Of course, in my narration, I will include very practical examples in my various interactions with power. Somebody have said that, of course, power is nice. With apology to the ladies, it's actually an aphrodisiac. I will give you two or three examples. I have very good political friends, and I once asked one of them, what did you miss most now that you're out of power? He was governor of Lagos, and he said, look, the most thing I miss is that when I live in Kenya for Victoria Island, when I was in power, it's 15 minutes flat. But now outside of power, sometimes it takes me 3 hours to get me from Ikeja to Lagos. That is what I miss most. So you can realize why people would rather stick to power. Another example is another friend of mine. He came back and said, you know what happened today? I said, no, I forgot myself in the market. I said, why? He said, I drove myself to the market, I parked the car, and I was waiting for the ugly to open the door of the car. There was no ugly, and of course I sat down like a fool until I suddenly realized I don't have an ugly. This third one is actually a very practical example experienced by me. In 2011,
I was in the Presidential Inauguration Committee. And in our informal discussions, we were being told that, look, in the lectures, make sure that the issue of 4 years is too short is raised. you know, in the first year, we are still learning the policies. In the second year, we are implementing the policies. We are conceptualizing the policies. In the third year, when the implementation will start, we start struggling for our political survival in the next election. And of course, in the fourth year, forget governance. It's all politics. So 4 years is true. So I then said, but that is outside of the context of the lecture. And of course, that was the last time I served on that panel. To combine together, you then begin to understand why people get attracted to power. I will not go through all the theories that have been postulated, but let us begin to look at some issues that has to do with solution. I think we have had our own ups and downs when it comes to attempts at term limit. I think somebody has quoted the statistics. Of course, since 1990, there have been a number. Some of them succeeded. Some of them did not succeed. Some of them have succeeded. They left power, but they installed a studio. And of course, we have a saying from my side of the country that the kingmaker does not live in town, because he will be the first person that the king will kill. But of course, both the ex and the new fell out eventually. But as that may be, let's begin to look at some of the solutions. Can we begin to look at a solution, either from the continental level or from the level of the RECs, where countries will be encouraged to institutionalize immunity for people in power? I think the fear of the unknown is the beginning of wisdom for some of those people attempting term elongation or disrespecting term limit. So perhaps if we say, well, we will give you a golden parachute, your safety will be guaranteed. Perhaps it will be a little uncomfortable. I think another thing is perhaps we will also begin to look into the possibility of institutionalizing pension and gratuity for these people. Sometimes I laugh when Mo Ibrahim said they have not awarded their prize of 5 million over how many years, in 3 years. I said that is just granite money for some head of state if they are in power. So why are they enthused to live with dignity and come and take 5 million naira in 10 years? They would rather have 10 million naira in one day if they are in power. So perhaps we may begin to look at the possibility of guaranteed, if they want a yacht, if you can afford it, buy them a yacht. But we also remember the good picture of Mobutu in his last days being held by Mandela, who was in prison for 27 years. Help pity of the wise, or the sage, across the continent, where they will begin to appeal to their contemporaries. It is time to go. I mean, come and join our club. It is very attractive. This kind of thing. And of course, everybody wants to be relevant, like you have said. We've seen it in the Nigerian head of state, who is always relevant in every government. Also perhaps, on the very extreme end, we may also beginning to think about death by whatever means for some of the seat stacks. Death by whatever means is death by whatever means. At the end of the day, what are we talking about? In my experience across the region, the country, and the sub-region, I think I'm beginning to see a tendency where so much attention is devoted to election at the national level, to the detriment of elections at the municipal level.
some of the countries have been in recent times, country, Conakry, election at municipal level were always not, they don't know it, because they want to hold the big national election so that at least some people. But we've been talking about coerced parliaments, bought parliaments, but we are also not paying attention to the tenure of the parliamentarians themselves. I think in Nigeria from 2011 to 2015, the turnover of parliamentarians that did not return is close to 65 or 70%. So in the 8th National Assembly currently, we have greenhorns. They are going to be there for 4 years. First, they will have to learn parliamentary ethics. They will begin to learn how do you present bills for passage. By the third year, maybe they are beginning to master it. By the fourth year, election comes again. And of course, 70% goes. So it becomes a vicious circle. So how are they able, or how will they be able to withstand a strong executive who perhaps is going to spend 2 terms and of course knows all the tricks in the book to coerce a parliament? Lastly, I'm not going to take too much time. I've also begun to... Opposition are made for the crocodiles. I think today it is a different story. Thank you. Parce que on a un certain nombre de lèvres qui m'ont à émettre. Ça dit plus qu'un contact, donc des comportements qui ne sont pas orthodoxes, qui sont plutôt intolérants et qui sont davantage des amorces plutôt que des tendances. Donc les amorces, c'est vraiment selon des débuts du commencement du collège. Parce que c'est quand même inédit comme comportement, jusque-là. Il n'y a pas ça dans le passé, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc on découvre. Donc nombre des actes, parce que quand le passé électoral dit élection crédible, loyale, équitable, apaisée, tout ce dont ça suit. Or là, il se trouve qu'on a un certain nombre de greffes. Donc il y a 5 ou 6 points à développer. Un des greffes qu'on peut émettre, c'est d'abord l'arrestation des opposants. Le président en exécutif du Niger, avant même le temps des élections, a procédé à ce que des opposants, donc politiques, de haut rang, soient interpellés, notamment, et emprisonnés dans la police, politique. Donc même pas donc, par voie judiciaire, ni illégalement. Donc c'est extrajudiciaire comme arrestation. Ils ont été incarcérés dans les locaux, donc la présidence de la République. Et qui plus est, ils n'ont pas accès à leurs avocats, ni à leurs familles. Ça, c'est une coutume un peu générale, oui, parce que c'est nouveau comme le comportement du Niger. Dès que le pouvoir sent qu'il y a une position politique, qu'elle soit civile ou politique, il a tendance à vouloir accuser donc, ces gens-là de terrorisme, donc d'actes terroristes. Donc en plus, de vouloir. Dans la salle, on a quelqu'un qui a été accusé, qui a passé quelques semaines en prison, et Shangari. Parce que la lutte, la donc c'est un phénomène qui concerne aussi bien les politiciens que la société. Donc l'acte d'inflation, c'est souvent le terrorisme qui met les gens en prison. Donc ça signifie que ces gens-là n'ont pas eu accès à la campagne électorale. Ils n'ont pas été donc, possible pour eux de battre campagne. Parce qu'ils ont gardé à prison, même élus, après ils ont été élus, ils n'ont pas été capables d'être au Parlement. Jusque-là, ils sont encore en prison. Donc, ça montre bien que ce régime est vraiment autoritaire. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est habituel au Niger. C'est vraiment nouveau comme processus au Niger. Ensuite, il y a le deuxième élément, plus rapidement, c'est une campagne électorale avant l'heure. Donc, le candidat président a avancé, tout le monde, deux semaines pour aller à la campagne électorale. Donc, avec tous les gens traditionnels, à conseil donc les résultats locaux. Donc, or, les élections ont commencé 2 semaines plus tard. Donc là aussi, c'est nouveau comme processus de législation. Ça montre bien que, effectivement, on a une gouvernance électorale qui n'est pas du tout orthodoxe. Ça voit encore. Il y a aussi l'usage des moyens de l'État. Les ministres qui, d'habitude, vont en campagne électorale et déposent leur cabinet, leur mandat,
leur charge pour aller faire campagne. Cette fois-ci, ils sont à la fois ministres et aussi candidats. Donc ils vont pouvoir avec tout noir, au garde, la police, tout de suite, pour aller faire campagne dans les villages. Donc ça aussi, c'est nouveau comme phénomène. Donc c'est une chose qu'il faut donc aussi dénoncer. Il y a aussi, rapidement, l'annonce du victoire au premier tour. L'annonce donc du donc, candidat président donc, sera élu dès le premier tour contre l'élection présidentielle. C'est-à-dire que ça aussi est nouveau. On n'a jamais vu au Niger un président, un candidat élu, être élu au premier tour d'emblée. Il faut toujours deux tours. Parce que c'est un pays dont la géographie électorale fait qu'il y a des ethnies, des régions, si vous voulez. Donc les gens ne sont pas donc, forcément donnés à un seul type. Donc cela aussi amène parce que, donc, on a parlé donc de Koukao, donc il y a eu le slogan qui s'appelle Koukao, c'est-à-dire qu'il va donc écraser tout le monde, donc passer tout seul, donc sans avoir un second tour. Ça aussi c'est une nouvelle posture politique au Niger. Ensuite, bien entendu, on a eu à la fin un score à la soviétique qui a été élu avec 92%. Ça, ça aussi c'est nouveau comme les scores de présidentiel au Niger. Et également, un autre élément qu'il faut souligner, le président aussi a fait une campagne solitaire. C'est-à-dire que jamais au Niger, on a vu un candidat présidentiel faire on dirait, un second tour tout seul. Il y a toujours deux candidats qui vont battre campagne. Cette fois-ci, il est tout seul sur le terrain. L'autre candidat est en prison. Maintenant, il n'est pas au Niger. Il est parti en Europe pour soigner. Donc, ça montre bien qu'il y a un gros. Tout cela montre quoi? Ça montre que pas que le thé soit donné à tout le monde, aux opposants, aux sociétés, à tout le monde. Et afin que les gens aussi puissent participer librement. Donc sans cela, bien entendu, il va rester à voir avec cette tendance-là. C'est pas tendance, pour l'instant, c'est une amorce des biens, mais ça peut être une tendance. Donc il faut donc tuer les poussins dans l'œuf dès maintenant. Sinon, ça va se multiplier, ça va s'aggraver. Donc en gros, voilà ce que je voulais dire. Donc c'est voilà, merci. Il a fait 7 minutes sa recommandation. Vous êtes d'accord? Le dysfonctionnement. Le Niger a été un cas typique. Mes recommandations sont de 7 plus 1. La prise en main par l'Union africaine de ces nouvelles tendances qu'on a observées et qui ternissent l'image de l'Afrique. L'Union africaine doit s'y pencher sérieusement. S'y pencher. C'est déjà un pas vers la gestion et l'éradication. Deuxième recommandation, la limitation des mandats. Il faut d'abord voir le contenu du mandat avant de chercher à le limiter. Cela suppose la mise en place, toujours par l'Union africaine, d'un mécanisme interne homologué, validé et piloté par la structure continentale. Troisième recommandation, réflexion profonde et sérieuse sur le modèle démocratique en Afrique, afin que l'Afrique cesse d'être le champ d'expérimentation de modèles étrangers à elle. En effet, l'Afrique doit rompre, comme je l'ai dit, avec ce logiciel pensant qui fait que les Africains réfléchissent souvent dans un moule culturel qui n'est pas le leur. Quatrième recommandation, c'est la réforme du système partisan. J'ai entendu ici 240 partis, je crois, dans un pays. Il y a plus. Chez moi, il y en a 300 et quelques. Et on a oublié que les partis, c'est des normes idéologiques. Et donc, il faut qu'on réforme le système partisan de manière à clarifier l'espace politique national et faciliter le financement de l'opposition et l'exercice des prérogatives de l'opposition. Cinquième recommandation, c'est de réfléchir à la vie des dirigeants après le pouvoir. Pour que la déchéance ne soit pas ce que les gens vivent, mais si vous faites bien avec des critères bien précis, vous pouvez intégrer un cercle d'anciens dirigeants qui peuvent continuer à être utiles pour l'Afrique en termes d'échange d'expérience. Et la dernière recommandation concerne l'éducation. Un peuple bien éduqué connaît ses droits et ses devoirs. Nous avons aussi ces errements parce que le peuple est parfois complice de ce qui nous arrive en termes d'errements sur le plan démocratique. Donc, il faut conclure pour l'organisation judicieuse de Je voudrais vous paraviser pour la exposition. Quelle heure on doit finir, mais pour ma compte, on avait 1h30. On a déjà fait
40 minutes. C'est là où on a du temps pour offrir. Et après, on va voir si on aura le temps. Vous n'avez pas le temps pour la question. Plus 5 minutes. De l'Union africaine. Je vois un cas aujourd'hui, c'est le cas du Burundi. Nous avons une crise qui est partie d'une volonté du président de faire un troisième mandat. Il y a eu des contestations et c'est en train de déboucher pratiquement sur une confrontation pratiquement armée. L'Union africaine a été saisie de cette question. Il était question à un moment de faire un déploiement de forces et cela a été abandonné. Mais au vu de cet exemple-là déjà, est-ce qu'on peut aujourd'hui objectivement s'attendre à ce que l'Union africaine puisse jouer un quelconque rôle par rapport à la question des élections? Parce que dans des cas extrêmes, vraiment son intervention est nécessaire et n'arrive pas à le faire. Et quand je regarde un peu l'Union africaine, ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, du point de vue de leur propre fonctionnement, de leur financement, ils dépendent plus de l'extérieur d'ailleurs, et en termes de capacité vraiment à imposer sa restriction. Par contre, moi je vois. Donc je vous renvoie à la question, est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous ne voyez pas, par exemple, le rôle de ces institutions régionales ou continentales, par exemple, dans des situations de recours? Et là encore, on a vu le cas, par exemple, au Burkina, où, pendant la transition, les candidats ont été empêchés de se présenter. Ils ont saisi la cour des... Merci. Le commentaire, je voudrais dire à Marie-Célestine, comme je la connais, je l'appelle par son prénom, que je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de prendre des mesures pour garantir la tranquillité au chef d'État pour pouvoir le faire partir. Cette récompense pour les crimes économiques, parfois les crimes humains, parce qu'il y en a qui tuent parmi eux, se dire qu'il faut les exempter, les mettre au-dessus de la justice, au moment même où ils prennent le pouvoir, vous vous rendez compte. S'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas au moins la peur de sanctions, comment peut-on mettre dans nos constitutions une chose pareille? Moi, je suis totalement contre. Je voudrais aussi dire que les efforts que nous déployons à parler de ce qu'il faut faire pour faire bouger les chefs d'État, pour les faire partir, on devrait le consacrer, on l'a dit tout à l'heure, à revoir nos institutions. Cette session, je ne parle pas de ces deux jours, enfin, ces deux jours, on a la chance d'avoir des professeurs. Dans beaucoup de dialogues, on n'a pas autant de professeurs. Il y a des juristes parmi eux. Je crois que l'Union africaine est à ses murs aujourd'hui pour que les experts juristes commencent à travailler sur le type de constitution. Parce qu'elles ont été la plupart forgées dans l'urgence, après les conférences nationales, où on ne faisait que copier la constitution française, par exemple, pour les pays. Et là, non, j'avais aussi une question, là, c'est pour l'Union africaine. Parce que tout a été dit, et tellement bien dit, qu'on se demande si on a encore des choses à dire. Mais la répétition est pédagogique. Moi, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit par le ministre Brito et M. Tchandari à propos des mandats. Parce qu'en fait, nous nous focalisons trop sur